Alors, mon travail maintenant, c'est de vous présenter une esthéticienne hors pair qui a toujours des idées de génie. Notamment, elle a un dada, ce sont les ventouses. Les ventouses sont des petits instruments aussi simples que magiques. Grâce aux ventouses, les tensions sont libérées, l'énergie générale est tonifiée, les douleurs sont calmées. Et le plus incroyable est qu'il n'est même pas nécessaire d'être un expert en médecine chinoise. Nadège Bourgeois, esthéticienne, praticienne en médecine chinoise et formatrice dont vous avez déjà pu apprécier sur scène et dans les nouvelles d'esthétique tout son professionnalisme et son expertise, va tout vous dévoiler de ce message aussi ancestral qu'innovant. Nadège, on vous attend. Bonjour. On l'encourage un petit peu. Merci. Bonjour, merci d'être ici pour découvrir le véritable massage chinois aux ventouses. Donc, un massage qui procède du concept d'application de la médecine traditionnelle chinoise à la beauté et au bien-être. Mais d'application stricte de la médecine traditionnelle chinoise avec les concepts de la médecine chinoise. Les principes. Et donc ce massage aux ventouses utilise un outil phare de l'énergétique chinoise, la ventouse, qui est un outil aussi également très ancien, qui a été utilisé en Europe, dans l'antique Moyen-Orient, dans plusieurs régions du monde, mais qui perdure avec sens en Asie, et notamment en Chine, en énergétique chinoise. La ventouse est un outil absolument magique, dont l'usage peut être un art, et nous allons voir ce qu'il peut apporter dans le cadre d'un massage corporel total, recto-verso. Voilà des ventouses. Ventouses froides. De toute taille. Pour s'adapter aux diverses régions anatomiques du corps. Ventouse froide, puisque la ventouse chaude est totalement inappropriée à l'espace du spa et de l'institut, bien sûr, hein, mais tout aussi efficace que les anciennes ventouses utilisées en énergétique chinoise. La ventouse procède de l'action de révulsion, c'est-à-dire qu'elle va permettre à toutes les tensions physiques ou psychologiques interne, est-ce qu'on peut revenir en surface, physique ou psychologique interne, de revenir en surface. Et entre la profondeur et la superficie se trouve un espace, et ça les clients le sentent bien, puisque il en ressort des avis du genre je suis légère, je suis rafraîchie. Légère et rafraîchie. Ce simple outil, ce simplissime outil est d'une puissance absolument extraordinaire lorsqu'il est utilisé tout particulièrement avec quelques principes importants de l'énergétique traditionnelle chinoise. C'est ça qui va donner sa profondeur et son efficacité et qui va donner le sens au massage. On commence par le dos. La ventouse va nous permettre plusieurs types de mouvement, pompage, petit pompage qui vont créer l'aspiration et l'espace nécessaire dans le corps pour que la profondeur soit ramenée en superficie
petit pompage. Mais également lissage. La taille de la ventouse est choisie en fonction de l'anatomie travaillée. Le dos est une zone très favorable à ce genre de travail. Il y a de la matière, il y a des espaces appropriés. Alors, ce massage, comme beaucoup de massages, va permettre des actions physiologiques telles que vasodilatation des vaisseaux sanguins, qui permettent une meilleure irrigation, donc une meilleure nutrition des tissus. Sur le plan musculaire, meilleure nutrition des muscles. Sur le plan articulaire et tendineux, assouplissement des tendons. Sur le plan du système nerveux, ça apporte calme, détente. Donc on va agir sur le sommeil, on va agir sur la concentration. Mais on va agir dès lors où on travaille dans le respect de ces quelques principes d'énergétique chinoise. On va amener beaucoup d'autres choses. Notamment cette ouverture d'espace en travaillant dans le dos sur un grand méridien, le méridien de la vessie, pour ceux qui le connaissent déjà, le grand pourvoyeur de l'eau qui va nous permettre d'éliminer ce que l'on va travailler sur la face avant ensuite. En fait, là, sur le dos, nous allons ouvrir. Sur le thorax et l'abdomen, nous allons refermer le massage, mais nous allons le faire dans certains principes qui vont faire que là, j'ouvre les voies pour éliminer ce que je vais éliminer de l'autre côté. Ce massage travaillera tout particulièrement sur toutes les stagnations. Stagnations, encore une fois, physiques ou émotionnelles. Donc, il pourra tout à fait bien accompagner un travail sur des tissus très œufs démaciés ou bien accompagner des régimes alimentaires amincissants aussi, hein, puisqu'ils vont, les ventouses vont faire travailler tous ces tissus, rendre tous les espaces nécessaires à l'évacuation de ces toxines et de ces stagnations. Ce circuit qui passe sur le dos se poursuit en effet sur les jambes. Voilà pourquoi il faut que l'on ouvre toutes les voies. Et ces ventouses nous permettent, selon la taille, selon la pression exercée, diverses actions. Une pression faible tonifie, une pression forte draine. C'est un art, c'est véritablement un outil, un prolongement de la main. Et le massage, c'est ça. C'est quand la main va au-delà de la barrière cutanée, la ventouse nous y accompagne pour aller au-delà et rétablir les espaces qui vont permettre au corps de retrouver sa compétence, son immunité, son fonctionnement physiologique normal, son fonctionnement psychologique normal. Tout ça, ça va participer. Là, nous travaillons principalement donc sur ce grand pourvoyeur de l'eau qu'est le méridien de la vessie. Les bras ne sont pas en reste puisque les circuits qui passent nous permettent... Alors vous voyez, là, je change d'anatomie, je change de ventouse. Hein.
Je change de geste également. Et je draine, et je décongestionne, et j'aspire, et je restaure ces espaces de fonctionnement. Il y a des zones anatomiques où il faut être plus délicat, nous le verrons sur l'avant. Mais vous voyez, ça aspire bien. Donc dans le respect des tissus cutanés, dans le respect des zones cutanées, dans le respect de l'anatomie que nous avons sous la ventouse, bien sûr. Donc ouverture des canaux. Pompage, lissage, là on fait des pressions fortes, on draine. On peut voir déjà qu'il se passe des choses au niveau de la surface cutanée. On a ouvert notre grand circuit, notre grand pourvoyeur de la voie des os. N'oublions pas que nous sommes en énergétique traditionnelle chinoise, c'est-à-dire qu'au-delà des effets physiologiques, on va pouvoir se tourner pour travailler de l'autre côté, au-delà des effets physiologiques, il va y avoir des effets énergétiques très particulier. Nous avons travaillé sur le dos. Le dos en énergétique chinoise, c'est la zone énergétique chinoise ou d'autres d'ailleurs, c'est la zone défensive. On a tous vu les chats en défensif ou qui ont une ligne de poils qui se dresse sur le dos. C'est le yang, notre partie défensive. À l'intérieur, je suis yin, énergie nutritive, rafraîchissante. J'ai ouvert mon dos. Je vais doucement drainer l'avant avec douceur, éliminer ce qu'il y a à éliminer et refermer mon massage pour recentrer la personne et pas la faire partir avec des ouvertures inutiles. Donc, j'ai ouvert mon yang de manière à laisser passer tout ce que j'ai à laisser passer. Et là, je vais utiliser les canaux utiles à l'évacuation de ce que je veux évacuer. Le sens également est important. Ce massage, je l'ai commencé par le centre. J'ai ouvert avec les extrémités. Je reprends mes extrémités pour refermer au centre. Et je vais prendre mes bras. Pompage. On va ouvrir les mains, voilà, on se met sur le yin, très bien, pardon. Alors, de temps en temps, ça fait floc-floc les ventouses.
C'est à éviter, évidemment. Je draine. Là, j'envoie dans mes canaux ouverts tout ce que j'ai, toutes les stagnations à éliminer, toutes les stases, je les envoie. Donc mon mouvement plutôt descendant sur le yang doit se terminer en remontant sur le yin. On voit au plan cutané la manifestation énergétique de cet outil par des rougeurs qui apparaissent sur les circuits. Hein. Ça n'apparaît pas n'importe où. Au sens énergétique traditionnel chinoise, ces rougeurs apparaissent sur des circuits bien déterminés. Pompage, délicat, nous sommes sur du yin. On respecte le yin. On respecte le yang aussi, mais on reste quand même très délicat sur l'avant du corps. Et on adapte la taille de ventouse si besoin. Donc, au bout du bout, ce massage va apporter évidemment détente, évidemment drainage, évidemment détoxification, évidemment meilleure immunité. Mais il va ouvrir cet espace entre superficie et profondeur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que relèvent les clients. Cette ouverture d'un espace, pas forcément inconnu, mais cette ouverture d'un espace qui n'est jamais travaillé en réalité. Et cette conscience et ce ressenti de cet espace entre superficie et profondeur, où il se passe beaucoup de choses, un espace de passage. Hein. On n'oublie pas les jambes. Donc tout à l'heure, vous avez vu dos, jambes, bras. De l'autre côté, bras, jambes. Et on finira par l'abdomen. On fait attention à la jointure. C'est un outil à manipuler avec précaution, c'est du verre. Ça a pu exister en corne, ça a pu exister en métal, ça a pu exister en plastique. Là, c'est en verre. Le verre a cette particularité de pouvoir lire ce que la ventouse veut nous faire savoir. Voilà. La ventouse, elle laisse une empreinte circulaire, une empreinte centrale. Ça aussi, on le lit. Et ça participe à une meilleure connaissance de notre client, à une meilleure connaissance énergétique de notre client, donc au fil du temps, à l'adaptation de notre massage au client ou à l'adaptation des massages en général à notre client. C'est cette connaissance de notre client qui va parfaire notre service. Ça, c'est évident, et qui va parfaire sa satisfaction. Contrairement à certains massages, je
vais parler des massages chinois que je connais mieux, qui sont très appuyés et qui provoquent des détentes immédiates. Là, on n'est pas sur ce plan-là. La personne sort avec, certes, une impression de détente, mais également cette perception de son corps à un niveau différent. Cette perception de son corps sur un niveau intermédiaire. C'est ça qui est très intéressant. On aide le client à prendre conscience de son corps aussi. Ça, c'est pas mal. Hein ? Nous terminons par l'abdomen, zone ultra sensible. Nous avons déjà travaillé sur le dos, le méridien de la vessie, qui comporte des points émotionnels. Tous les méridiens en comportent des points émotionnels, mais le méridien de la vessie tout particulièrement. Et nous savons que l'abdomen est un haut lieu émotionnel. Donc là, nous allons procéder avec beaucoup, beaucoup de précautions pour arriver à rendre tout l'espace nécessaire à cette zone, souvent en stagnation émotionnelle et physique. Donc on va drainer cette zone, créer des espaces, là on touche aux organes, créer des espaces très délicatement. Et nous refermerons ensuite notre massage par cette zone-là également. Et le client aura reçu une décongestion totale du corps. Donc, nous nous aidons de l'anatomie. Il y a beaucoup de points d'acupression sur l'abdomen. Nous nous aidons de l'anatomie pour ne pas en oublier. Diaphragme, iliac. Ceci dit, autant de zones de stagnation qui seront là massées avec efficacité grâce à cet outil. Et on va plus en profondeur. On surveille notre client afin que ce ne soit jamais désagréable. Nous aurons refermé notre massage par cet abdomen. Nous avons fait le tour du corps, sauf le visage évidemment. La ventouse est applicable au visage avec beaucoup de délicatesse. La ventouse est applicable au visage aussi,
Dans ce cas-là, évidemment, on utilisera des petites ventouses. Ceci dit, l'objectif n'est pas le même. Là, nous avons un véritable massage drainant, décongestionnant, rafraîchissant, allégeant, parfait pour le printemps, ceci dit, voire l'été, et pour des personnes, parfait pour des personnes en forte stagnation, en forte stase, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, encore une fois. Hein. Donc là, vous allez créer cet espace entre, vous allez raviver cet espace entre profondeur et superficie. Cet espace où, finalement, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais ça passe. Bien souvent, c'est cette congestion qui fait que le corps n'arrive pas à se libérer. Évidemment, nous éviterons ce genre de massage déjà sur les femmes enceintes, pour ne pas perturber le déroulement de la grossesse. Nous l'éviterons évidemment sur des peaux lésées, puisque là, nous sommes quand même sur une ventouse qui aspire et qui a besoin d'une peau saine en dessous. Sinon, il est parfait pour tout le monde. Et c'est vraiment un outil dont on peut devenir addict. Voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, nous avons un atelier, hein, Laure, je crois. Nous avons un atelier qui précisera certains passages de ce massage, où vous pourrez poser les questions, où vous pourrez mieux découvrir ce massage. Des formations sont organisées, je crois aussi, m'a dit Sophie. Mais l'atelier, donc, voilà. Hein. Merci beaucoup, Nadège. Merci, Nadège. Merci.